Jekro. Je suis un bonnie, je viens du Maroni. Tchalanga mevolu kune sama fumi. Dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana bonnie. Tchalanga mevolu kune sama fumi. Je suis un bonnie, je viens du Maroni. Tchalanga mevolu kune sama fumi. Dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana bonnie. Tchalanga mevolu kune sama fumi. Boni na mine, aluku na mine, bushi nege na mine. Hey, lowe mana mine, bika chado ina kime figu. Hey, waka ini mifulu, I sent you mifutu wa sloji. Mina mata na wapesi, boku na midesi. I support me ami pesi, dawa and I live in. Efika ala de yepi, nega wa metika. Beke for Africa, aluku kukapa maka samaka. Una mufika ulu sabaka. Je suis un boni, je viens du Maroni. Tchalanga mevolu kune sama fumi. Dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana boni. Tchalanga mevolu kune sama fumi. Je suis un boni, je viens du Maroni. Tchalanga mevolu kune sama fumi. Dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana boni. Tchalanga mevolu kune sama fumi. On était fouettés, maltraités, et on s'est révolté. Boni comme les guerriers, pour la liberté. Les amis en difficulté, pour s'échapper. Noir, marron et fier, black marronnage. Africa et l'étage, on a vu l'esclavage. On a vu l'esclavage, éclairer nos villages. Dans le Lawa, Kotika, Agolé, Loka, Achipo. Je suis un boni, je viens du Maroni. Tchalanga mevolu kune sama fumi. Dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana boni. Tchalanga mevolu kune sama fumi. Je suis un boni, je viens du Maroni. Tchalanga mevolu kune sama fumi. Dans l'Amazonie j'ai grandi, French Guyana boni. Tchalanga mevolu kune sama fumi. Kale kimi Yaman, sapete kumoto, fix sapete yeko. Go back. Go back, Sammy, baby.
Parce qu'on enlève le bord, il y a des piquants, ça se voit pas, mais ça pique. Ouais, ici, je mon feuille de quelle palme? Ah, Awara, non. Celui-là,
Non. Les premières qu'on a vues. Ah. Voilà. Mumburu. Donc le Mumburu ici, comme nous, des fois on part dans la forêt avec notre machette, avec une fusée. On n'amène à rien avec nous. Pourquoi? On sait bien que dans la forêt, on trouve tout. Comme c'est des grands magasins dans les grandes villes, vous prenez votre porte-monnaie, vous partez dans un supermarché, vous trouvez tout. C'est pareil, quelqu'un qui connaisse bien la forêt avec son machette. On a tout dans la forêt, comme dans le supermarché. Donc, comme les sasseurs, eux, ils voient des fois dans la sasse, ils n'amènent pas des assiettes, mais ils amènent des couacs et tout. Donc, on prend de faire des mumburu comme une assiette pour qu'on peut manger dessus. On utilise comme une assiette, comme tout à l'heure à midi, on met le couac ici, les brochettes ici, voilà. Donc on utilise le mumburu comme des assiettes dans la forêt. Mais c'est nous, on n'amène pas des bouteilles d'eau dans la forêt. On sait bien que dans la forêt, il y a de l'eau, c'est les criques. Donc nous, on boit dans les criques. Mais en condition qu'il faut respecter la nature. On ne met pas la bouche directement dans la crique pour boire. Ce n'est pas respecté. Comme ça, les gadois camions, ils pouvaient fâcher. Mais comme ça ne se voit pas dans l'esprit, comment tu sais que c'est facile? Donc, tu ne vois pas c'est des ans, tu demandes à boire, tu prends la bouteille dans la bouche. Il faut une gobelet. Donc, c'est nous, on ne boit pas la bouche dans la crique, il faut une gobelet. Donc on va faire une gobelet avec notre feuille de mumburu. Donc on prend de l'eau, on boit. Le dis comme ça évite, tu vois, de venir avec tout son matériel à la forêt. On trouve tout. Donc on a toujours notre feuille de mumburu. Des fois ça se trouve que il y a la vie des sasseurs, il y a la vie des gens qui sassent pas dans la forêt. Donc du cas de cette feuille de mumburu, les sasseurs, eux, ils n'utilisent pas les feuilles de mumburu pour manger ni pour boire. Il peut utiliser le feuille pour boire, mais pas pour manger. Eux, ils utilisent cette feuille pour faire tirer un oiseau qui s'appelle cancan. Donc, comme moi, je ne suis pas sa sœur, je vais essayer de faire le bruit, mais c'est pas, des fois, ça ne marche pas parce que je ne suis pas sa sœur. Donc, on verra. Pas répondre. Un oiseau? Ouais, c'est un oiseau. Il a la taille d'un toucan. Ah, voilà. Un oiseau, ouais. Voilà. Donc, s'il avait des cancans, il répondra. Mais là, il n'y en a pas. Donc, les sasseurs, ils utilisent cette feuille pour tirer cet oiseau. Voilà. Aussi, avec toujours notre feuille de mumburu, des fois, on part comme ça dans la forêt, on fait une feuille, il n'y a pas de vent. Donc le feu, ça ne prend pas, donc il fait un avantail. Donc on va juste faire un avantail avec notre feuille de mumburu pour qu'on active le feu. Sinon, active le feu avec. Ben, des fois, ça se trouve que il fait chaud. Hey, du vent, de la fraîcheur. Ouais. C'est pour vous, madame. Va t'arrêter comme nous. Oui. Il n'y a personne derrière nous.
magnifique. Là, on a un autre palmier qui s'appelle Makoupi. 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 Voilà. Donc le Makoupi, les Makoupi, il n'y a pas de piquant. Ah, mais comme je vous dis, ça coupe. Ah, sur le côté, ça coupe. Sur les côtés, ça coupe. Donc, comme je vous dis que nous, on utilise tous les feuilles pour notre toiture. Mais le feuille qu'on utilise pour notre toiture, ça compte toujours par paire. Donc s'il faut 1000, il faut 2000. Parce qu'il faut un paire. Donc le Makoupi, on peut faire une autre toiture avec le Makoupi. Ça peut aller jusqu'à 5 à 6 ans. D'accord. Les toitures. Donc après, il faut changer. Mais là, on ne va pas prendre le Makoupi pour faire notre toiture parce que il faut qu'on rentre demain. Donc on n'aura pas le temps de faire de notre toiture. Mais là, on va prendre le jeune feuille de Makoupi pour faire notre atelier de tressage. Aussi, on utilise les jeunes feuilles de Makoupi ici en Guyane, un peu partout en Amérique du Sud, où, surtout où je suis grandi, au pays Saramaka, un peu. Des gens, des vrais sacères, eux, ils ne font pas le chemin dans la forêt. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas un autre sacère, il trouve son chemin. Donc, des fois, il rentre dans la forêt. Dimi gome poto tako, emai wa pompu fatu. Temi pompon dayo te goisa kumbake. Sale na wero. Ayuba kami wakakwe. Les gars, il faut chanter sinon les gars doivent quand même aller voir ça sur ton pied. Surtout pas la longueur du trou. C'est du cœur de palmier. Il a pas de chance. Il veut pas tomber dessus. Ah mais c'est parce qu'il descend petit à petit. C'est un bon mot. Avance-toi si tu veux un peu. T'as vu, il coupe le bois avec sa machette. Tu vois, c'est sacrément fort, hein. Il y a des muscles. C'est en haut le cœur, des fois. Le bras de fer, Papa, parce que là de glou glou. Tu peux voir au glou, s'il te plaît, glou glou glou. Tu dis t'es où? On a besoin les hommes. Ah, oula oula. Ah, vous avez traîné ça pendant toute la balade. Voilà. Il va couper le bout. Il y a un palais qui s'est passé ici. Attends, c'est là que tu vas. Ouais, c'est bon, je viens.
Là, tu peux te poser, ça fait. Ah oui. Non, l'écureuil, c'est les agoutis, j'appelle ça. C'est le haut, en fait. C'est le haut, pour il va tout expliquer après. Moi aussi, c'est pas trop piquant ni trop piquant. Ce qui est dessus. Et là, on voit deux yeux que je regarde. Ouais. Et... Donc ça, c'est le maro qu'on utilise pour... La ficelle. La ficelle, voilà. Allez, on aligne. Ouais, si tu veux en mettre plein, il faut les derniers. Deux. Pas, il n'en manque plus que 98. Ça pose du temps. Claire. Il a pressé. Il met correctement pour le transporter. Ah oui, Titi ? Ah oui, si. Il a pris dans les yeux battus ou pas ? Mathieu, on s'assoit pas. C'est quoi le vidéo? Non, oui. Attends, je vais faire une alors. Une comment? Elle a une photo. On va voir. Il va arriver jusqu'au bâtiment. Avec le boulet. Ça, il va nage derrière. Pas du tout. Alors, combien de kilos là? Bah, comment ça oblige à avoir un zoo bien? Je suis loin d'être le dernier. Donc les 8000, on laisse ceci parce que là, ah, c'est très très dur. Donc des fois, tu as le mal ici. Mais on laisse ceci pendant une semaine. Donc après, ça c'est facile. Mais les 8000, tu dois le faire en bas sur les côtés comme ça. Il y a plusieurs lattes. On les positionne comme ça. Okay. Le fait comme ça. Ouais. Donc il y a plusieurs couches qui viennent, oui. Et puis ça donne une épaisseur, donc oui. L'eau, il ne pouvait pas entrer. Voilà. C'est comme ça, on prépare avec du pinot. Là, je vais vous montrer comment on fait un sac. Ah. Cette sac qui s'appelle Katoui. Il y a un chapeau qui s'appelle Katoui aussi. Et en fait, il y a des roches, mais là-haut. Là-haut. Ah si, ça doit être comme ça. Non mais là, il y en a trois. Tu zoomes un peu peut-être. Et là, on voit que dalle. Oui, merci. Peut-être que tu mets un peu d'eau sur le visage. Alain? Alain? Oui. La machette, si elle risque pas de tomber, parce qu'il y a des La machette? Il y a pas les mêmes couleurs.
sécurité, le plus près. C'est cadeau. Waouh, Tristan, la classe. Maintenant, tu ramènes les deux. Tourne-toi, Tristan, tourne-toi. Allez, c'est ouais. Pour voir, oui. Pour le col, pour le col, ça y est. Allez, deux profils. Ouais. 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 On va marcher là, on enlève. Bon, on faut pas approcher. Attention. Ah, attention. Si quelqu'un il travaille avec la... Attends, moi je vais le faire. Tu sais comment on peut faire ça. Tu peux venir. 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 Tu Tu peux la il te suit. Léo, c'est qui? Léo, ouais. Bastien. Bastien. Le cœur de palmier, quand on en mange, ça vient toujours du pinot? Non. Ah. En fait, tous les cœurs des palmiers, c'est comestible. D'accord. C'est le plus facile à accéder, c'est du pinot. Ah. On peut prendre le awara. C'est comme ça. Il faut approcher la main. Moi j'ai bugué déjà. On va dire fais la main. Non. Regarde. Me l'a fait. Oui. Regarde. Prends la feuille. Regarde. Pardon, là tu fais l'angle. Comme ça. Comment t'as fait? Attends. Moi je vous donne les indications visuelles. Et tu fais un angle bien propre. Pour quel angle je le fais? Ah oui. Tu fais ton angle. Bonne élève. Alors attends, je peux gagner. Il faut que ça touche. Ouais, sinon ça se détend. Ouais. Ok, c'est bon. C'est bon. Moi ça se détend pas. La main avec celle de derrière. C'est bon. Ah non, c'est normal. Comment ça se détend pas? Ya yunta ya ipoto rampo ine ya yunta ya ipoto vende umi ya yunta ya ipoto vende umi muya ya tente mi mefka ulobidi ta ulobimi tende mi dia ibaka.
des milliards.